Moteur roue génération 2 fonctionnel avec Dom qui va tester la boucle fermée. Oh, et Dom force! On va. Tu vas monter le couple? Non, je vais le changer. Attends, fais attention à ta main. Ah, ok, oui. La rotation. Hein. Tu peux le faire, Ahmed? C'est assez violent. Ouais, c'est rapide, hein? Attends, ouais. Les mains. Hein? Ah, ouais. On le voit pas changer. Hein, c'est... Okay. Le courant dans la machine doit être pas loin de l'infini. Cool. Tu peux t'amuser à jouer à laveuse avec. Regarde ce que je fais. Regarde. Si je change VT, VQ, ça diminue la vitesse. Tu vois? VQ. Oui, ben c'est ça. Tu viens défluxer. Non. Soit je le mets de l'autre côté, soit de l'autre côté. Ah, OK. Tu changes la force de 180 degrés. Tu vois? Ouais, c'est ça. Tu lui donnes l'avance ou tu défluxes. Soit je défluxe, soit je lève. C'est ça. Et puis pourquoi, là, comme là, la vitesse à kilomètre, là... C'est supposé suivre ça? La vitesse lâche les dons. Hein? Ouais, c'est ça. On tourne aux alentours de. Hey, on vire pas vite, hein? 8 km/h. Attends, on va le remonter. Déjà avec une tension plus élevée, ça. Ouais, ça, ça roule smooth. Ok, fait que là, j'ai appliqué un autre couple résistif. Hein? Attends, c'est tes mains. Ok, ouais, je vais aller le courant monter. C'est normal. Non, mais... Donc, voilà. En ce moment, aucun système de refroidissement, mais... On n'en a pas besoin, hein. La laveuse deux fois, trois fois. Ouais. Il est plus smooth de même. Allez, hein, on voit tout le rack qui bouge. Comme il y a un coup, hein. Ah oui, mais t'as un couple énorme. Hey, j'ai rien fait. Ah oui, t'as dû cliquer ça. Mais la souris, elle va pas bien. Ouais. Donc, on peut démarrer les petits ventilateurs ici avec notre super. Voilà. On va bientôt monitorer la température. C'est le ventilateur à l'intérieur. Oui, c'est ça. Au moins pour refroidir les pertes de fer. Mais il ne doit pas en avoir ben. On n'est pas à haute fréquence. On a pas mal juste des pertes cuivres en ce moment, puis le système de refroidissement liquide n'est pas fonctionnel. Donc voilà,